Madame, si vous le permettez, ce serait bien qu'on prenne un moment pour que je vous explique comment ça fonctionne. Bon, où sont les papiers? Madame Shepherd, il y a des choses que vous devez savoir, des choses dont on doit discuter, des choses difficiles. Je suis médecin. Le docteur Gray. Je suis chirurgien, tout comme mon mari l'était. Je sais comment ça fonctionne. Vous avez attendu le nombre d'heures requis. Maintenant, vous pouvez officiellement le déclarer mort. Normalement, vous me parleriez du don d'organes. Mais d'après son dossier, il ne reste pas grand-chose qui puisse être donné. Donc, les soins intensifs ont besoin d'un lit. Ce sont sûrement les papiers. Les papiers que vous voulez que je signe pour décider quoi faire avec mon mari. Maintenant qu'il est mort, mais pas vraiment mort. Est-ce qu'on l'envoie dans un centre de traitement longue durée en croisant les doigts et en espérant une sorte de miracle? Ou est-ce que je veux le débrancher? Stopper toutes les mesures curatives? Arrêter les différents examens quotidiens? Retirer tous les cathéters, les drains et les sondes? Mettre un terme à tous les traitements qui pourraient soulager le patient? Abandonner l'ensemble des mesures destinées à le maintenir en vie? Accepter les faits et agir ensuite comme tout bon médecin le ferait. Je n'ai rien oublié, docteur? C'est de ça que vous vouliez me parler? Pendant que je suis assise là avec mes enfants endormis, vous voulez me parler de tuer mon mari? Donnez-moi les papiers. Madame, j'ai... Donnez-moi les papiers! Thank you.